Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser GeoGebra qui est un logiciel informatique pour faire de la géométrie. Donc on va prendre les bases. Donc tout d'abord, vous voyez, il y a ici votre espace de géométrie. Et si vous voulez enlever cet axe ici, vous allez la petite flèche ici et décocher graphique. Si vous voulez par exemple le remettre, vous le recochez, etc. Si vous voulez mettre des quadrillages, vous cochez sur afficher la grille, etc. Donc maintenant, je vais vous apprendre à tracer ou à placer un point. Donc vous allez aller dans le deuxième petit onglet et cliquer sur point. Ici, vous pourrez sélectionner votre couleur. On va prendre par exemple un point noir. Votre forme, on va prendre par exemple un point croix, enfin une forme croix. Et maintenant, on va réussir à le placer. On va faire un petit clic gauche. Et voilà, notre point est placé. Donc il s'appelle automatiquement A. Donc ainsi de suite, si j'en pose un deuxième B, etc. Et si vous voulez le renommer, vous allez par exemple aller dans, vous allez faire clic droit sur ce point et vous allez faire renommer. Et là, vous allez mettre par exemple le nom de votre point, on va l'appeler U, comme ceci. Et vous voyez que notre point s'est transformé en un point U. Donc maintenant, imaginons que vous voulez tracer une droite. Vous allez aller dans le troisième petit onglet et sélectionner le petit onglet droite. Vous allez cliquer dessus et là, vous allez choisir votre couleur, on va choisir noir. Et votre style de droite, donc nous allons choisir une droite normale. Et donc si vous voulez la faire passer entre deux points, vous allez sélectionner un point et sélectionner un autre point. Et votre droite passera par ces deux points. Mais par exemple, si vous voulez ne pas la faire passer par deux points, ça va passer un point automatiquement. Et puis vous allez faire un autre clic gauche comme ceci et vous allez avoir une droite avec deux points qui se sont générés. Donc maintenant, comment tracer un segment? C'est très simple aussi. Vous allez sélectionner un point, par exemple le point B, et je vais le relier au point E, comme ceci. Et vous voyez que j'ai fait un segment juste en cliquant sur deux points avec mon clic gauche. Donc maintenant, imaginons que vous voulez tracer un cercle. Vous allez aller dans le petit sixième petit onglet. Vous allez cliquer sur la petite flèche et vous allez cliquer sur cercle centre point. Vous allez maintenant choisir par exemple votre couleur de cercle. Nous allons faire un cercle en rouge. Votre style de cercle. Donc nous allons laisser le style par défaut. Et maintenant vous allez faire un clic gauche et vous voyez que en déplaçant votre souris, le cercle se crée avec un rayon que vous pouvez choisir grâce à votre souris tout en la bougeant. Donc comme ceci, donc nous allons faire notre cercle. Nous allons maintenant faire un autre clic gauche. Voilà. Et notre cercle s'est créé avec son centre point A et son un point sur le cercle, le point B. Donc maintenant, imaginons que vous voulez faire un cercle avec un rayon défini. Vous allez faire cercle centre rayon. Vous allez placer un point avec le clic gauche. Vous allez mettre votre rayon. Nous allons par exemple mettre 5. Vous faites OK. Et vous voyez que votre cercle s'est généré avec un rayon de 5 cm. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vais maintenant vous laisser découvrir les différents onglets de GeoGebra par vous-même. Et je vais vous dire à la prochaine, car il y aura peut-être d'autres vidéos sur GeoGebra. Donc je vous dis à la prochaine. Au revoir.